vous me reconnaissez, mais c'est encore moi, c'est Pépette. Oui, je sais, je vous ai un petit peu déjà parlé de bistrot, mais comme je sais que vous êtes plutôt du genre joueur, et moi aussi, et ben je vous propose de relever le défi, de vous faire la même en plus court, 30 secondes. Franchement, je pense que ça doit passer, mais large. Donc, je vous montre la boîte, mais alors vraiment, mais c'est rapide, hein, c'est pour ceux qui auraient raté la première vidéo. Et ça, c'est pas très bien, donc je vous encourage à aller la voir, et ne perdons pas de temps, allons voir tout de suite comment ça se passe. Voilà, une partie en cours. Attention, je lance le chrono pour 30 secondes. C'est un jeu de bluff, donc je prends la première carte du tas, je regarde en l'occurrence, c'est une mousse, je la donne à mon partenaire, à qui je veux. Et je dis, dis donc, ça te dirait une petite mousse? Lui a le choix de me croire ou de pas me croire. Il va me dire, non, je te crois pas, c'est pas une mousse. Oh, mais si, c'est une mousse, dis donc, tu prends le vert. Il prend la carte suivante, par exemple, ici c'est un shooter, il dit, tu voudrais un shooter? Et l'autre il a un doute, et finalement il va la faire passer. Il va la passer à quelqu'un d'autre. C'est les trois possibilités qu'il a. Croire, pas croire, ou faire passer. Une fois que quelqu'un a récupéré les 7 verres identiques, les 7 verres différents, pardon, ou 3 verres identiques, il a perdu, il boit, il vire ses cartes, il récupère un jeton, et celui qui a le plus de jetons avec des verres, machin, c'est fini. Ah, voilà, tac, franchement, hey, ça a passé, mais à l'aise, j'ai envie de dire. Je vais peut-être pas le tenter en 15. Si, en 15. Oh, franchement, vous êtes relous les mecs, quoi. Bon, ok. Coca Light, Fanta Light.